Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui prend place à l'intérieur de la septième saison. Septième saison qui est consacrée aux hommes et aux femmes qui ont défendu, promu ou incarné cette valeur qui nous est tous très chère, la solidarité. Ce soir, il sera question d'un économiste de renom, François-Albert Anger, qui est né à Québec en 1909, qui a grandi dans Charlevoix, qui a vécu l'essentiel de sa vie ensuite à Montréal, ville où il est décédé donc en 2003. François-Albert Anger, un économiste, mais aussi un intellectuel nationaliste important et très influent. Un économiste donc qui a été professeur à l'École des hautes études commerciales de 1938 à 1974. Un économiste qui a toujours cherché une sorte de troisième voie, qui n'était pas tout à fait satisfait par les perspectives libérales, très centrées sur l'individu, la concurrence, le profit, ou les perspectives keynésiennes, celles de John Maynard Keynes, l'économiste britannique qui a beaucoup inspiré les grandes réformes qui ont amené l'État-providence. François-Albert Anger jugeait que trop d'État peut écraser les communautés locales. Il se méfiait un peu de l'État et de l'étatisme en général. Donc, il a cherché une sorte de troisième voie qui tournait autour, au départ, du corporatisme, une perspective qui était très à la mode sur le plan intellectuel durant les années 30, 40, mais surtout le coopératisme, qui a connu de belles heures aussi au Canada français avant la Révolution tranquille. On pense évidemment au mouvement Desjardins, mais on pense aussi aux coopératives en agriculture, dans les pêcheries. Donc, François-Albert Anger a cherché cette troisième voie. C'était aussi, donc, je le disais, un intellectuel nationaliste, au départ, très influencé, inspiré par la perspective pan-canadienne d'un Henri Bourassa, et puis, peu à peu, qui s'est rapproché de Lionel Groulx et d'une perspective plus canadienne-française et éventuellement québécoise, puisqu'il s'est converti à l'idéal souverainiste durant les années 50 et 60. Un nationaliste qui avait une vision culturelle de la nation, nous allons tenter d'y voir un peu plus clair. On va tenter de voir justement s'il avait cette fameuse conception qu'on dit ethnique de la nation, qu'on oppose à la conception civique de la Révolution tranquille. On va voir si c'était le cas ou peut-être un peu plus complexe que ça. Pour nous parler donc de cette pensée, de cette œuvre et de ses actions de François-Albert Anger, on a invité un historien qui connaît très très bien cette mouvance du nationalisme plus traditionnel. Il a publié un ouvrage marquant dans notre historiographie sur la droite intellectuelle et la Révolution tranquille. Il est conservateur au Musée canadien d'histoire depuis 2002. Il me fait donc plaisir d'accueillir pour vous M. Xavier Gélinas. Bonjour. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonsoir et merci. Alors, merci donc d'avoir accepté notre invitation. De vous être déplacé de la capitale fédérale, donc, pour venir nous voir. C'est toujours bon. Les rapprochements entre juridictions, c'est toujours une bonne chose. Alors, je le disais, ce n'était pas pour vous flatter ou pour être flagorneur, je disais que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui a compté dans notre historiographie sur la droite intellectuelle et la Révolution tranquille. On pourrait dire que jusqu'à cet ouvrage-là, on avait une conception un peu monochrome de la Révolution tranquille, un mouvement qui nous venait de la gauche, parti pris, et tous ces jeunes qui assimilaient la cause des Canadiens français à celle des peuples du tiers-monde, qui étaient dans la perspective de la décolonisation. Et vous nous avez proposé une étude sur des gens moins connus, mais qui avaient une perspective de modernisation du Québec, mais complètement différente. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier ce groupe, ces personnages ou cette droite intellectuelle? Bien, c'était à la fin des années 1980. Alors là, on remonte un petit peu l'horloge de quelques années. Et l'historien, l'historienne, même s'il aime se dire scientifique et détaché et objectif, dans le fond, est un être humain en chair et en os qui vit dans son temps. Et à la fin des années 80, quand ma maîtrise a commencé, bien justement, en tant que jeune citoyen du Québec, je voyais que c'était bien le Québec, mais tout n'était pas parfait. L'évolution de la question nationale, c'était encore irrésolu. Accord du lac Meech, référendum de 1980 qui va dans un certain sens, débat qui n'en finissait pas, Bélanger, Campeau, bon, etc. Problème dans le réseau de la santé. Alors, voyez-vous,
plus ça change, bon, etc. En éducation, on avait bien fait le virage quantitatif, le virage de l'accessibilité. Hommes-femmes, régions, gens nantis et moins nantis, on avait réussi ça. Mais au niveau qualitatif, il y avait de la nostalgie qui commençait à naître par rapport à ce qu'on avait peut-être pas réussi à faire. À transmettre, en tout cas. Bien oui. Ouais. Et donc, dans la hâte de vouloir bâtir des structures neuves, des pensées neuves, dans les années 80, il y a commencé à y avoir, sur le plan économique aussi, budgétaire, les déficits, tout ce que vous voulez, une certaine réévaluation ou une certaine pause en se disant « La Révolution tranquille, évidemment, elle a existé. Évidemment, elle fut importante. Elle fut bénéfique. Mais, comme dirait Giscard d'Estaing, oui, mais... » Tout n'est pas parfait. Est-ce que c'était qu'à la base, ce n'était pas parfait? Puis quels ont été les débats qui l'ont entouré? C'est trop facile de dire qu'il y a eu des gens imbus de lumière et de progrès, et de bonnes idées, qui ont mis fin à l'obscurantisme des années Duplessis. Avant, c'était noir, maintenant, c'est éclairé. Maintenant, tout le monde est heureux. Ben non, tout le monde n'était pas heureux, puis il fallait un petit peu aller remonter à la source. Que disaient ceux dont on avait un peu perdu la trace? Et dans cette grande nébuleuse de cette droite intellectuelle, il va de soi que François-Albert Anger, c'est un personnage que vous avez donc été amené à croiser très vite. Toujours. Et même si j'avais été très paresseux intellectuellement, j'aurais pas pu ne pas le croiser à peu près à chaque chapitre ou dans chaque revue, dans chaque livre, dans chaque congrès ou dans chaque association de la fin des années 50 et durant tous les années 60, hein, pour la période que j'étudiais, parce que François-Albert Anger, c'est un peu comme dans le catéchisme, il était là avant, pendant, et il est resté. Je fais des petites farces pour dire qu'il était effectivement extrêmement actif comme intellectuel. Ouais. Donc, si on prend juste les années 1956 à 1970, mais il était là bien avant et il est demeuré bien après, il était impliqué vraiment, sans discontinuer, dans le domaine savant, universitaire, scientifique, mais aussi comme citoyen. Et il a touché à tous les dossiers. La sécurité sociale, la fiscalité, on se rappelle des disputes pour l'impôt provincial sur les revenus dans les années 1950, la centralisation, la réforme de l'éducation, la réforme de l'Église au Québec, les lois linguistiques, il était partout. Il était impossible de l'éviter, mais également sa contribution était qualitativement significative. C'était pas... il était souvent enflammé. C'était autant un être de passion qu'un être de raison et un érudit, ce qu'il était. Mais ça n'a jamais été un partisan, ni quelqu'un... enclin à des formules faciles, rapides, polémiques. Polémiques intensément, mais toujours avec une honnêteté intellectuelle. Et donc, il était vraiment au centre et au cœur et partout dans cette période de la révolutionnaire tranquille. Alors, les invités qu'on a aux figures marquantes, dans certains cas, ont rencontré le sujet qui est étudié durant la soirée. On avait reçu, par exemple, François Ricard, qui a bien connu Gabriel Roy. Oui, ben oui. On en a reçu comme ça plusieurs. On a reçu le fils de Gratien Gélina, Pascal Gélina. Mais vous, vous l'avez quand même connu. C'est-à-dire que le jeune étudiant qui fait sa maîtrise sur une revue qui s'appelle Tradition, je crois, et Progrès, vous allez rencontrer, vous êtes quoi? Vous avez 21, 22 ans? Pour lui poser des questions, racontez-nous cette rencontre et comment vous l'avez trouvé, comment il était avec vous. Oui, ben, en vous étiez tout jeune, lui, il était au soir de sa vie. Je suis encore tout jeune. Ben oui, évidemment, désolé. J'étais encore plus tout jeune. Oui, c'est ça, c'est ça. À l'été, printemps-été 1989, j'avais 21 ans. Mais je voudrais faire une petite préface parce que je l'ai d'abord rencontré, mais il ne s'est pas intéressé à moi, en 1969. Oui, j'avais... En 1969? Oui, j'avais 2 ans. Ah bon? Et c'était dans le contexte des États généraux du Canada français. Oui. Il y avait des sessions qui avaient lieu en 69, vers la fin. Et mon père faisait partie du
comité juridique ou quelque chose comme ça. Et il y a une photo montrant M. Anger à la maison avec moi tout proche. Ah oui? J'imagine que déjà je le trouvais impressionnant. Lui devait parler de fiscalité et on n'a pas beaucoup échangé. Mais donc je l'ai quand même revu 20 ans après. Oui. 1989, 21 ans et demi. Et puis, c'est intéressant à titre personnel, je crois, mais bien au-delà de ma petite personne, oui. Je pense que c'est révélateur de quelque chose que j'ai pu vérifier partout. Jacques Parizeau disait que la disponibilité du professeur Anger aux études commerciales était exceptionnelle. Et j'ai pu le constater, moi, à la suite de dizaines ou de centaines d'étudiants. Replaçons-nous, 1989, il a 80 ans. Il a peut-être d'autres choses à faire que de rencontrer un bambin qui fait un mémoire de maîtrise. Il a déjà donné beaucoup d'entrevues à beaucoup de bambins au fil de sa carrière. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais il a répondu avec grande courtoisie à la lettre, parce que j'ai retrouvé ces échanges de lettres où je lui posais mes questions et où j'exprimais le vœu d'une rencontre. On s'est rencontrés et là, j'ai vu d'abord la courtoisie et également le fait qu'il était un grand pédagogue et aussi, il avait le don de rectifier des idées qui étaient erronées dans certains cas ou des omissions, voire des âneries de ma part, mais toujours le faire avec courtoisie, de manière constructive, en incitant son interlocuteur à faire mieux et non pas à se dire « Oh, j'ai reçu tout un coup sur le nez. » Mm-hmm. Et parfois, par écrit aussi, j'ai pu voir des lettres vraiment de 2-3 pages de lui où il a commenté certaines idées ou certains passages que j'écrivais et dans la préparation du doctorat 6 ans après. Notre dernier échange a eu lieu quelques mois avant le référendum de 1995. Et là, on voyait que, rendu à 86 ans, la mémoire, la précision, mais vraiment le souci de la véracité, vraiment, il n'était pas un intellectuel pour faire un salaire, donner des cours et rentrer chez lui le soir. C'était lui. Un engagement. Ah oui, oui. Oui. Alors, vous le dites dans votre note de recherche, c'est très frappant, vous dites, il n'a pas beaucoup parlé de lui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il prend sa retraite, je l'ai dit, en 1974, il va consacrer, on va en reparler un peu plus tard, l'essentiel de sa retraite à éditer les textes de son mentor, qui était Esdras Mainville. C'est 12 volumes, c'est tout un travail, c'est colossal, mais pas une ligne sur lui. Il n'a pas pensé, par exemple, écrire ses mémoires. Qu'est-ce qu'on sait de sa jeunesse, de ses parents, de ses premières formations et peut-être même premières influences intellectuelles? Qu'est-ce qu'on sait de ses débuts? Oui, on peut faire un sprint pour ses 25 premières années. Il naît à Québec, mais d'une famille avec de fortes relations charlevoisiennes. Donc, les Anger sont partagés entre Québec, la région de Québec, et Charlevoix, qui est dans l'entourage. Son père est médecin, Albert Anger. Sa mère se prénomme Odulie, c'est un joli prénom. Mais on aurait tort de penser que parce que son père est médecin, il vient automatiquement d'une famille confortable. Malheureusement, son père a du mal à s'établir professionnellement. À l'époque, quand un médecin ne venait pas d'une famille avec des moyens, il pouvait avoir beaucoup de mal à s'établir dans une ville où le coût de la vie était élevé. Alors, la famille déménage, Québec, Tadoussac, La Malbaie, Armagh. Finalement, c'est à La Malbaie que le jeune François Albert installe ses jeunes racines. Mais au niveau scolaire, son parcours est en dents de scie. Il n'a pas fait le collège classique. Mm-hmm. Donc, contrairement à un si grand nombre de figures marquantes de notre histoire dont on a parlé ou dont on pourrait parler, il ne vient pas du collège classique. Il a fait son primaire allongé chez les Frères du Sacré-Cœur à Montmagny. Il a étudié un peu par ses propres moyens. Il avait aussi des problèmes de santé récurrents. Finalement, il s'inscrit par correspondance à l'École des hautes études commerciales à l'âge de 16 ans. C'est le début de l'enseignement à distance? Ben oui, bien avant une certaine TELUC. Et donc, en 1925, il aurait voulu s'inscrire avant, mais le directeur de l'époque disait « Non,
prenez un peu de maturité. Ouais, ouais. Il s'y inscrit à distance et en 1928, il fait le grand déménagement. Il s'installe à Montréal et c'est là qu'il y a une relation vraiment de proximité matérielle avec les HEC qui ne prendra fin que dans les années 1990. Alors, l'institution qu'il joint comme étudiant, d'abord, je pense qu'il veut devenir comptable au départ. Hein? Oui. Donc, c'est son projet. Voilà. Ça lui apporterait une espèce de stabilité. Les perspectives d'emploi sont attirantes. Et n'oublions, il n'a pas d'argent de famille. Se placer. C'est ça. Ouais. Et il n'a pas encore d'ambition intellectuelle. C'est-à-dire qu'il veut être un bon comptable. C'est ça, son ambition au départ. Oui. Parlez-nous, faisons un petit pas de côté. Parlez-nous des HEC à ce moment-là. C'est une toute jeune institution. Et parlez-nous du type de formation qu'elle dispense puis du rôle qu'elle joue dans la société. Ça existe depuis 1907. C'est situé à l'endroit où sont aujourd'hui les Archives nationales du Québec, coin Vigée et Saint-Hubert, pas tellement loin d'ici. Ce n'est pas une fondation du clergé. Ce n'est pas une institution anticléricale. Mais ce n'est pas du tout une fondation du clergé. Il s'agit de former une classe d'entrepreneurs et canadiens-français. Et le gouvernement du Québec y prend un intérêt très poussé. Il y a une connexion institutionnelle que j'aurais un peu de mal à décrire avec le gouvernement du Québec qui appuie l'institution. Alors, grâce en soit rendue aux régimes libéraux de Gouin et de Taschereau. Et les HEC étant fondés en 1907, lorsque Angers s'y joint comme étudiant, d'abord à distance, puis en vrai, l'institution a à peine 20 ans. N'a pas eu le temps, évidemment, de donner son déploiement et puis de générer tout le prestige qu'elle a aujourd'hui. C'est une institution surtout constituée de professeurs européens. Et par contre, il y a un certain Édouard Monpetit et un certain Esdras Mainville, des Québécois qui commencent à faire leur marque et qui commencent un peu à colorer l'institution de leurs valeurs. Et là, il est quoi? Il est tellement un bon étudiant qu'il va être remarqué par ses maîtres, que sont Mainville et Monpetit, pour pousser plus loin ses études? Il collectionne les médailles d'or, les médailles du lieutenant-gouverneur, médailles de ci, médailles de ça. Édouard Monpetit et Esdras Mainville voient en lui un sujet prometteur, parce qu'il faut constituer un cadre d'intellectuels économistes au Canada français. Leur absence est criante. Et puis, au terme de ses études de licence, qui sont absolument excellentes, on s'arrange pour lui trouver une bourse et il va passer 2 ans à Paris. Et là, bon, des belles années, au milieu des années 1930. Des belles années, matériellement, ça s'arrange pas trop mal. Ce n'est pas le grand confort. Il travaille un petit contrat ici. Il fait la connaissance d'André Laurendeau à Paris, qui est un autre expatrié provisoire. Ils vont devenir amis pour la vie, malgré des divergences idéologiques qui leur feront vraiment de la peine vers la fin des années 50 et 60. Et Paris l'a marqué beaucoup, parce que d'abord, c'était un provincial, et dans les correspondances entre son maître Esdras Mainville et le jeune Angers, Mainville lui dit, bien sûr, parce qu'on se voyait toujours, prenez tel cours de finance ou d'économie, mais aussi allez au théâtre, allez au musée du Louvre, bougez, promenez-vous, ouvrez les yeux, parlez à des gens. Et Angers fait tout ça. Donc, en 2 ans de travail intense, et il a travaillé intensément toute sa vie, retraite, études, professorat, pour lui, pas de différence. En 2 ans de vie parisienne, il s'immerge de culture, bien sûr, d'études, puis on pourrait en parler. Et aussi, il se frotte à des manifestations et à des mouvements politiques. Là, il tend l'oreille. Les années 30, c'est les années de la dépression. Les sentiments politiques sont intenses. Les temps sont durs. On se radicalise d'un côté, on se radicalise de l'autre. C'est là qu'il découvre un peu le mouvement du personnalisme catholique chrétien, cette espèce de troisième voie dont vous parliez en introduction. Il y vient. Ses idées commencent à se placer au contact de la théorie, des études et de la réalité qu'il observe à Paris. Alors, d'ailleurs, le choix d'aller à Paris était important, ou la France, le génie français. Et ça m'avait frappé en lisant la biographie de Jacques Parizeau, de Pierre Duchesne. Il cite des extraits de correspondance entre Parizeau
et le maître François Béranger, et Anger aurait souhaité que Parizeau reste en France. Hein, c'était l'idée qu'on était dans une même civilisation, qu'il fallait que ça, il fallait préserver ce type d'influence. Donc, il revient. Oui. Est-ce que ça va aller de soi qu'il va être professeur ou est-ce qu'il y a eu... Il y aura une petite transition. En 1937, les HEC n'avaient pas beaucoup d'argent. Il est nommé chargé de cours et en 1938, véritablement professeur. Vous savez qu'au début, il enseigne le français. Il n'enseigne pas tout de suite l'économie. Mais Mainville est content de voir son protégé, son fils spirituel, revenir à la maison et lui confie la direction de la revue « L'actualité économique ». Qui est une revue qui, si je ne m'abuse, a existé jusque dans les années 2000 avancées. Et puis là, Anger travaille d'arrache-pied. Non seulement il enseigne, il donne ses cours d'abord de français, puis d'économie à proprement parler, mais aussi il anime cette revue, il fait tout. Hein. Il écrit des textes, mais il recrute des collaborateurs et il est obligé de devenir généraliste. Et c'est là qu'il commence à être un intellectuel public, comme disent les Américains. Mm-hmm. Il est obligé de savoir parler du chômage, du marché de l'emploi, de la sériculture, du contrôle des changes, de la monnaie. Parce que sa thèse de licence et sa thèse de Paris étaient sur des sujets très, très ardus, là, de l'économie solide, là. Mm-hmm. Pas de l'économie soft ou commentée. Là. Mm-hmm. Mais il était obligé de devenir un généraliste. Il y avait si peu d'économistes au Canada français qu'ils étaient très en demande. Alors justement... dans ma présentation, je dis qu'il avait une conception particulière, justement, de l'économie, donc, où il y avait une imbrication très forte, on pourrait dire, le national, le social et l'économique, alors que les libéraux ont tendance à séparer les deux très souvent. J'ai proposé l'idée qu'il n'était, enfin, inspiré par votre note aussi de recherche, ni tout à fait libéral, ni tout à fait keynésien. Alors, pourriez-vous un peu développer là-dessus, qu'est-ce qu'il reprochait finalement au libéralisme classique et qu'est-ce qu'il pouvait reprocher, et ça c'était très en vogue dans les années 40 et 50, au keynésianisme, à ceux qui disaient « il faut un État-providence ». Oui, il a résisté à ces deux pôles-là jusqu'à la fin. Il a, dans le fond, ce que ces deux pôles avaient en commun à ses yeux, c'était des constructions théoriques qui pouvaient se justifier sur papier, mais qui, devant l'épreuve des faits, continuait, dans le fond, à s'appliquer, même à mauvais escient. Donc, auprès du libéralisme, il aimait la propriété privée, qu'il considérait comme sacrée. Il aimait l'initiative individuelle. Il aimait la responsabilité personnelle. Tout ça, c'est bien. Auprès du socialisme, évidemment, ou du keynésianisme, il aimait le souci de solidarité. Parce qu'il voyait très bien les excès du libéralisme. Le chacun pour soi et puis les monopoles, finalement, ça lui apparaissait très peu social, nullement national. Et chez les socialistes, il voyait la perte de pouvoir réel chez les gens. Il avait coutume de dire « quand l'État est maître partout, le peuple n'est maître nulle part ». Alors, il cherchait les formules, la formule qui soit dans le corridor central, gardant le sens de l'initiative personnelle et de la responsabilité du libéralisme, gardant le souci collectif absolument essentiel pour lui du keynésianisme ou de la social-démocratie. Il a cru la trouver dans le système du corporatisme d'association, un système théorique très prôné par le Vatican qui semblait réconcilier le capital, le travail, les associations d'un même secteur de manière harmonieuse, avec l'État en arrière qui surveille que tout se passe bien et n'intervient qu'en cas de problème. Un système corporatiste différent, mais portant le même nom, a été mis en pratique dans les régimes fascistes d'Europe dans les années 30 et 40, et cela a créé un mal incroyable à cette doctrine-là, qui finalement n'a jamais été appliquée au Québec et à laquelle François Béranger a continué à adhérer et à en parler de temps en temps, mais sans trop d'enthousiasme ni trop d'entrain, parce qu'il voyait que le train était parti ailleurs. Mais peut-être juste de façon un peu pédagogique, pour ceux qui nous suivent, le corporatisme du fascisme, en quoi se distinguait-il du corporatisme d'association tel que vous dites? Bien sûr. Mettons, chez Mussolini, dans l'Italie fasciste, le corporatisme d'État est imposé par en haut.
Alors, le gouvernement italien dit au secteur de l'automobile ou dit au secteur des viandes ou des chaussures, vous allez vous organiser comme ça, vous allez vous structurer de telle façon, vos règlements seront comme ça. Maintenant, gérez les décrets que je vous ai imposés. Fini. Bon, c'est vraiment absolument du bas vers le haut. Tandis que le corporatisme auquel Angers rêvait, c'était d'abord tout à fait volontaire. On pouvait y entrer, on pouvait en sortir si on était insatisfait. Imaginons le secteur de l'alimentation. Alors, dans sa théorie du corporatisme d'association, on aurait vu les associations de consommateurs, les vétérinaires, les agronomes, les distributeurs, les détaillants d'épicerie, les producteurs agricoles, par exemple, se réunir et puis essayer en commun de développer des règlements, des approches, des modalités qui, finalement, seraient en harmonie. Mm-hmm. Au lieu d'avoir la formule du tirons le plus et puis tirons le plus. Mm-hmm. Au Québec, il reste quelques traces de ce corporatisme d'association qui n'a jamais vraiment vu le jour. Les grands sommets qu'on a organisés souvent, à l'époque du Parti québécois notamment, années 70, années 90, les grands sommets socio-économiques, c'est une sorte de corporatisme ou de concertation mm-hmm. où on force à mettre ensemble des agents sociaux et économiques, et en disant, essayons ensemble de trouver des formules qui pourraient faire le consensus. Il y a des petites traces de ça. Dans les comités paritaires aussi, en construction, en automobile, il y a du petit corporatisme avec C minuscule. Mais l'accent de Angers, il l'a surtout mis sur le coopératisme, voilà, avec deux O. Voilà, mais parlons de ça, parce que oui. Je crois aussi que c'était quelque chose de très important pour son mentor, Esdras Bainville. Oui. Donc, peut-être nous présenter, parce que quand on pense coopératisme, on pense toujours au mouvement des jardins, on pense un peu aux coopératives agricoles ou dans les pêcheries. Oui. Mais la vision qu'en avait Angers, ça ressemblait à quoi? Pour lui, ça couvrait tout le spectre, y compris le secteur du détail. Il s'agissait vraiment de concilier pour lui, c'était la formule de libération pacifique ou de révolution dans l'amour. Je pense qu'il avait ces belles phrases-là pour parler de la coopération. Il pouvait en parler autant en termes nobles et idéologiques ou vraiment qui galvanisaient le public qu'en termes très strict et très érudit. Il est l'auteur d'une étude en 1974-76 en deux volumes sur la coopération. Je vous le dis, il y a des courbes, il y a des chiffres, il y a de la théorie là-dedans. Il était extrêmement solide. Ce n'était pas qu'un propagandiste ou un promoteur. Mais il était aussi un promoteur. C'était pour lui une école de démocratie et de responsabilité en action. Le Canada français n'avait pas assez de classe d'entrepreneurs très fortunés pour prendre le contrôle des très grands secteurs économiques. Par contre, les Canadiens français, les millions de Canadiens français, avaient chacun un bas de laine. Et puis, en mettant en commun les ressources, secteur par secteur, il y avait l'initiative individuelle, le côté de la solidarité, et pour lui, l'extension des coopératives dans bien d'autres domaines que simplement le crédit des jardins aurait mené à une libération économique dans la responsabilité personnelle. Mm-hmm. Donc, solidarité, vraiment le bouquet. Ben voilà, c'est pour ça qu'on a pensé d'ailleurs à lui pour cette saison sur la solidarité, parce que sa vision du coopératisme, c'est une vision axée sur la solidarité, justement. Et ça nous amène à une position qui détonnait à l'époque. Là, vous avez un peu mis la table, on va aller un peu plus loin, mais en 1962, donc, les libéraux de Jean Lesage font campagne avec le slogan « Maître chez nous » pour compléter la nationalisation de l'hydroélectricité, ce qui prend d'ailleurs de court l'Union nationale. Il ne sait pas trop comment réagir face à ça. Et on a l'impression, avec le recul aujourd'hui, que tout le mouvement nationaliste applaudissait à tout rompre cette perspective d'étatisation de l'hydroélectricité. Or, François-Albert Angers comptait parmi les rares intellectuels nationalistes à s'y opposer ou en tout cas à montrer de très fortes réserves. Pourriez-vous nous les expliquer? Il montre déjà deux facettes de sa personnalité. Angers était une personne qui était, sur le plan personnel,
tout à fait aimable. Il avait même un bon sens de l'humour. Il était tout à fait de commerce agréable. Mais il pouvait se montrer entêté. Entêté, c'est l'adjectif qui est le synonyme moins gentil de homme de principe, homme de constance, homme de fidélité. Il croyait au coopératisme depuis les années 1930. Il avait approfondi le dossier théoriquement et pratiquement. Eh bien, il y croyait encore dans les années 1960, même si la vogue était de faire l'étatisation partout, tous azimuts. Donc, il n'était pas du tout contre l'appropriation de l'électricité par le peuple du Québec, puisqu'il a pratiqué et prêché la solidarité sous tous les angles, savants et autres. Mais il aurait souhaité une coopératisation de l'électricité. Plusieurs coopératives prenant en main l'électricité dans leur patelin, dans leur région, dans leur secteur, au besoin avec un peu de coup de pouce financier de l'État, de façon à, comme on fait dans plusieurs endroits aux États-Unis, de façon à avoir une vraie propriété populaire. Mais ce n'est pas ce qui avait existé, d'ailleurs, durant les années 50, sur Duplessis. Il me semble que Duplessis avait encouragé ce type Duplessis a maintenu l'Hydro-Québec, qui est une création des libéraux de 1944, a maintenu l'Hydro-Québec, mais également a encouragé le développement des coopératives à la grandeur du Québec. Puis le troisième joueur était, comme on le sait, les très grosses compagnies, essentiellement anglophones, qui possédaient l'électricité. Alors, il est vrai qu'en 1962, c'était une courte pointe incroyable, l'électricité au Québec, des tarifs complètement dissemblables, puis même des types d'électricité. Je n'ai pas les compétences techniques pour le dire, mais en Abitibi, ce n'était pas la même chose, puis les lumières flageolaient. Il fallait une espèce d'harmonisation. Mais Angers dit, pourquoi est-ce que c'est toujours l'État? Pourquoi est-ce que nous n'avons que ce seul mot-là à la bouche? Et Angers a déconcerté ses amis nationalistes. Il n'y a pas d'autre figure de proue significative du nationalisme qui s'opposait à l'étatisation de l'électricité. Vous l'avez dit, les nationalistes fraîchement convertis du Parti libéral du Québec étaient avec enthousiasme pour, comme René Lévesque, bien sûr. Et les vieux nationalistes des années 30 qui vivaient encore, René Chaloux et autres, évidemment, Lionel Groulx. Tout ce monde-là disait « Hosanna, enfin, notre projet antitrust du début des années 1930 va se réaliser. » Mais Angers, avec constance, fidélité ou entêtement, était contre la solution unique de l'État comme bouton magique pour toutes les solutions, puis il l'a encore été. Et on pourrait dire que sur cette vision de l'État et du rôle de l'État, c'est là qu'il y avait vraiment une divergence de fond entre lui et un de ses plus illustres élèves, Jacques Parizeau. Oui, Jacques Parizeau, d'abord, à titre personnel, lui a toujours voué un respect filial profond. Il en a témoigné, il a écrit... Parizeau, qui était souvent avare de ses écrits, a écrit des textes touchants sur son maître, son patron. Oui, c'est comme ça qu'il disait. Il appelait Angers. Mais en effet, il y avait deux grandes séparations. L'étatisme, Parizeau s'est corrigé très tardivement, si il s'est corrigé, d'un recours trop instantané à l'étatisation, tout problème social qui devait être jugulé. Il a témoigné dans les années 90, vers la fin de son séjour au pouvoir, qu'il devenait moins jacobin. Il a fini par comprendre. Mais le keynésianisme a attiré cette génération d'intellectuels comme un phare. Comme un phare, on y voyait une façon de préserver le libéralisme dans le bon sens et d'amener des éléments de justice sociale qui étaient cruellement manquants. C'était difficile d'y résister. Angers, l'entêté ou le fidèle, y a toujours résisté. Parizeau était dans ce courant-là. Et la doctrine sociale de l'Église, deuxième élément de distinction. François-Albert Angers... C'était pas une inspiration du tout pour Jacques Parizeau. Non, Parizeau, il était tiède à cet égard. François-Albert Angers ne parlait pas du pape ou des encycliques à chaque article. Mais pour lui... sa philosophie générale de la vie en société venait
de la doctrine sociale de l'Église, mm-hmm. qu'il fallait appliquer, bien sûr, selon les milieux, selon les époques, selon les problématiques. Mm-hmm. Dans le cas de Jacques Parizeau, ce n'était pas l'alpha. Parlons maintenant du nationaliste, oui. L'intellectuel nationaliste. Alors, c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on lit sur lui, c'est que, et il le dit lui-même dans un de ses textes que j'avais lu, dans un dossier là, qui avait été consacré à Lionel Groulx à son décès, au départ, c'est un admirateur d'Henri Bourassa. C'est plus tard qu'il se rapproche d'un nationaliste plus canadien, français et québécois. Oui, Racontez-nous un peu ce parcours là-dessus. Pendant longtemps, Groulx, le chemin Groulx a été associé au groupe de Montréal. Et il n'était pas également connu dans toutes les régions du Canada français ou du Québec. Et Henri Bourassa est très longtemps demeuré la référence, le mentor nationaliste dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Il faut bien se rappeler que jusque vers les années 1920-1925, Henri Bourassa avait un ascendant très, très grand en tant que mentor ou leader nationaliste. Canadien, français, québécois, canadien, il y avait une certaine confusion de pensée. On savait qu'il avait le cœur à la bonne place. Alors, le jeune Angé de la Malbaie appartient depuis le milieu des années 1920 à l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française, l'ACJC, le groupe nationaliste de l'époque. Et on étudie, entre autres, les discours et les écrits de Henri Bourassa. Et donc, il y adhère dans le sens très général, croyance en une harmonie respectueuse des deux peuples fondateurs au Canada, un patriotisme canadien, un désir d'indépendance du Canada par rapport au Royaume-Uni, un respect de l'autonomie provinciale, bien sûr, mais pas d'accent particulier sur le Québec, parce que les Canadiens français, vraiment, vivent d'un océan à l'autre. Pendant longtemps, ça a été vraiment la position générale de Angé. En arrivant à Montréal, fin des années 20, début des années 30, il aurait pu se faire absorber par les idées du chanoine Groulx, qui était davantage québéco-centrique et qui accordait également davantage de place à l'État du Québec. Mais Angé s'est converti, si j'ose dire, tardivement au courant de pensée de Lionel Groulx. Il ne voulait pas se faire embrigader. Et il a témoigné au décès du chanoine Lionel Groulx qu'il est venu au groulxisme par étapes, en observant et en étudiant. Mais il est resté longtemps fidèle à Henri Bourassa. Et quand Henri Bourassa est mort vers 1952, Angé a tenu à ce que l'Action nationale produise un très beau numéro hommage. Parlons un peu justement de sa conception de la nation, parce que dans la vulgate de la Révolution tranquille qu'on nous a tous transmis, enfants, et encore aujourd'hui, on oppose le nationalisme québécois, civique, territorial, au nationalisme culturel, mais souvent on va une coche plus loin et on dit ethnique, hein, le nationalisme ethnique du Canada français traditionnel. Où logeait François-Albert Angé, lui qui s'est plus tard converti finalement au nationalisme et au souverainisme québécois, où logeait Angé sur cet enjeu-là bien précis et sensible? Oui, bien sûr. On peut dire que c'est plutôt un spectre, hein? Le nationalisme civique territorial à gauche ou à droite, si on veut, et le nationalisme culturel ou ethnique de l'autre côté. Et il est à peu près impossible d'être uniquement d'un côté ou uniquement de l'autre. Angé était sans aucune ambiguïté et fièrement et constamment, durant ses 94 années de vie, un nationaliste traditionnel, c'est-à-dire culturel, c'est-à-dire, je dirais, ethnique au sens du dictionnaire. Si on regarde, c'est-à-dire qui a rapport à un peuple, à une nation, à une société, si on veut employer un terme plus doux. Pour lui, le territoire, la citoyenneté, la politique, les lois étaient des moyens de faire vivre et de faire croître cette nationalité, ce peuple, cette nation, cette société. Donc, pour lui, la nation, c'était les Canadiens français
Et bien sûr, il a insisté, il l'a écrit, il a mis les points sur les i. Il ne s'agissait pas pour lui des Canadiens français, seulement qu'il y avait le sceau généalogique de provenir des filles du roi. Oui, ou de la Nouvelle-France, oui. Oui, de la Nouvelle-France, puis qu'ensuite on barre la porte, puis il n'y en a plus que... Non, il a dit explicitement que cela comprend tout plein d'associations. Il nomme là, les Blackburn, les O'Neill, etc., etc. Il nomme des Amérindiens, des immigrants. La porte est ouverte. Donc, c'est ça, c'est culturel. Canadien-français. Voilà, transmissible. Oui. Donc, c'est transmissible par l'éducation et non pas seulement par le sang. C'est ça. Alors, c'est ça. Il n'a jamais été un nationalisme ethnique au sens péjoratif ou contemporain, racial, linéaire. Non, pas du tout. Mais pour lui, bon, habituellement, la culture se transmet habituellement par la famille, par les institutions. Et pour lui, le territoire du Québec, ben, c'est l'outil. Mm-hmm. Alors, c'est l'outil. Et on peut peut-être en arriver à sa fameuse trilogie 1967. Les Canadiens français constituent une nation. Le Québec est leur territoire national et leur État et forme leur État national. Les Canadiens français ont le droit à l'autodétermination. Mm-hmm. Alors, il ne niait pas du tout l'existence d'un territoire. Pour lui, les Canadiens français ne vivaient pas un peu comme dans l'air d'un océan à l'autre. Oui, il vivait là où il vivait, mais Angers a compris au fil des événements, au fil des décennies, au fil des réalités démographiques, que c'est dans le Québec que se jouerait politiquement l'avenir du Canada français. Mm-hmm. C'est donc le territoire et l'État du Québec qui sont les outils ou les paramètres. Mais ce n'est pas la fin. Mm-hmm. La fin en soi. Vous êtes rendu en 1967, mais on va revenir un peu dans le temps. Très bien, je vais puisque, aller. Non, ça va. C'est très... Non, mais c'est pour comprendre sa conception de la nation, en effet, il fallait venir... Je crois que ce que vous venez de dire là, ça a pris forme aussi dans le cadre des États généraux du Canada français, où justement il y a eu rupture entre les Québécois, finalement, souverainistes, et les Franco-Ontariens, notamment, sur cet enjeu-là. Vrai. Oui. Alors, revenons un peu dans les années 50. François-Albert Anger, j'ai lu quelque part que plusieurs disaient qu'il faudrait le nommer à la commission de Jean-Thomas Tremblay. Hein. Il y a une commission célèbre, importante, en tout cas dans les années 50, mise en place par Duplessis, sur les enjeux constitutionnels. Peut-être nous présenter cette commission. Et moi, j'ai lu quelque part que Anger, normalement, aurait pu faire partie, aurait pu être un des commissaires, mais que Duplessis n'était pas très chaud à l'idée. Alors, c'est peut-être de l'anecdote, mais quand même, quel rôle il a joué au sein de cette commission et quel était le but de cette commission? C'est une commission mise sur pied à contre-cœur par le gouvernement Duplessis en 1953 pour examiner l'ensemble des problèmes constitutionnels du Québec. Je suis sûr qu'on disait de la province de Québec à ce moment-là. Le gouvernement fédéral s'était beaucoup transformé depuis la fin des années 30, Seconde Guerre mondiale, développement d'un grand nombre de programmes d'État-providence, d'assurance, d'allocation familiale, d'assurance chômage, qui s'appelle assurance emploi aujourd'hui, centralisation des impôts, gonflement des budgets. La classe de fonctionnaires d'Ottawa devenait de plus en plus importante. Bref, le Canada se constituait un État moderne et très développé. Au Québec, ça ne bougeait pas vite. Et il y avait vraiment un besoin de faire un état des lieux. Bon. Et donc, Duplessis finit par mettre sur pied cette commission qui se pencherait sur la fiscalité, la sécurité sociale, les changements constitutionnels désirables, etc. Et oui, en effet, Duplessis avait une dent contre Anger. Je ne me souviens plus, en fait, pourquoi. Heureusement, Duplessis avait beaucoup de respect pour Esdras Mainville. Donc, Anger, dans mon souvenir, n'a pas été un membre officiel, formel de la commission, mais a été un chercheur qui a été rattaché. Il a travaillé d'arrache-pied pour produire, je crois, 4 volumes d'annexes absolument. Oui, c'est un gros travail. 400 pages, oui. Pour lesquelles des jeunes étudiants, comme un certain jeune Jacques Parizeau, etc., ont dû travailler pour lui bénévolement. Et oui. En 56, ce rapport Tremblay sort. Oui. Et c'est la Bible du nationalisme canadien-français, québécois, d'avant la Révolution tranquille.
certains éléments vont vite devenir un peu obsolètes ou un peu marqués par le temps, comme l'attention accordée au caractère catholique de la mentalité du peuple majoritaire au Québec. C'était sans doute exact, ça ne l'est plus. Par contre, d'autres éléments ont été presque prophétiques et ont été lus et un peu appliqués sous Jean le Sage, Daniel Johnson et au-delà. Mm-hmm. Une affirmation vraiment résolue d'un désir autonomiste pour le Québec. Mais durant ces mêmes années, parallèlement à ce travail-là, il va poursuivre ça un peu après à la Commission, il va mener une sorte de croisade contre la centralisation fédérale. Alors, en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'Angers n'était pas juste contre la centralisation fédérale, mais contre la centralisation étatique tout court. Ben oui, oui. C'est, pour le dire en deux mots, c'était un anti-étatiste. Alors, quand on avait une centralisation en provenance d'Ottawa, alors là, les péchés étaient réunis. Parce que nous avions d'abord un attentat contre la liberté des personnes et nous avions finalement une robotisation graduelle de la population parce que on anesthésie l'initiative individuelle et la liberté des personnes. Et en plus, le mouvement de centralisation vient d'un régime à dominante ou à mentalité anglo-protestante. N'oublions pas, c'est un langage qui fait sourire aujourd'hui, mais on parle de 1945, 52, 55, 60, et c'était objectivement exact. Et donc, à ce moment-là, la centralisation combine ces deux problèmes-là. Mm-hmm. Et donc, il fallait absolument, à tout prix, notamment et particulièrement en éducation et en culture, mais un peu partout, que le gouvernement du Québec résiste à cela. On est à l'époque de Maurice Duplessis au pouvoir pour son deuxième long mandat, 1944 à 1959. Duplessis ne résiste jamais assez fort ou avec jamais assez de créativité, selon Angers, mais néanmoins, il résiste. Et Angers, qui n'était pas personnellement un philo Duplessis. Robert Humilly, par exemple. Oui, Robert Humilly, qui avait beaucoup de qualités, était malheureusement un partisan. Donc, quand il disait du bien de son cher chef Maurice Duplessis, même lorsque c'était vrai, on pouvait toujours avoir un doute ou un peu de scepticisme de la part d'Angers, vraiment indépendant de la part des partis politiques. Il s'est rapproché plus tard de quelques autres chefs politiques, mais vraiment de façon désintéressée. Et puis, il a rendu témoignage à Duplessis au moment de sa mort, que Duplessis a opposé un frein aux manœuvres centralisatrices d'Ottawa, pour employer le langage de combat de l'époque, et puis que c'était un immense mérite. Mais le pauvre Angers a donc dû consacrer ces années-là de militantisme national essentiellement à dire non, à dire arrêtez, à dire ne passez pas. Heureusement, avec le rapport Tremblay, lui et ses autres co-commissaires, comme le père Richard Arès, Esdras Mainville et d'autres, ont pu commencer à élaborer une contre-proposition constructive. Mm-hmm. Parce qu'il ne s'agit pas de dire sans cesse non à Ottawa, il faut dire non, mais pourquoi? Oui, voilà. Alors, on arrive dans les années 60, on revient aux années 60, et là, on pourrait dire Angers a beaucoup de prises contre lui. Oui. Il est plutôt farouche, il s'oppose à l'étatisation, donc à l'État-providence qui est en vogue durant les années 60. Il est porteur d'un nationalisme culturel assez... il est loin des gens de parti pris qui tournent le dos aux Canadiens français, cet être dépossédé et aliéné. Il est fidèle au Canada français, même s'il va se convertir à l'idée souverainiste. Alors, il aurait pu être complètement marginalisé. Ce que je veux dire. Oui. Mais étonnamment, il reste quand même au centre de l'échiquier avec son combat sur la question linguistique. La question de la langue et la question du statut constitutionnel de la nation. Parce que vous avez tout à fait raison, il guerroie le mieux qu'il peut contre certaines choses qui lui paraissent comme des excès pour la réforme de l'éducation. C'est l'époque du rapport parent, la liquidation des cours classiques et puis bon. C'est un combat qu'il perd. Et puis, l'électricité, bien, à ce qu'on a appris, elle a été nationalisée en dépit des protestations du professeur Angers. Donc, il perd plusieurs de ses combats. Mais en effet, sur la langue,
il se radicalise. Et c'est quelque chose de particulier de voir ce professeur qui est un traditionnaliste, qui est un bon bourgeois. C'est un homme qui n'aimait pas se dire de droite, mais qui l'était objectivement, et ce n'est pas du tout une insulte que je lui décerne. En 1969, il a 60 ans, et là, c'est le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand qui dépose le projet de loi 63, qui assure le libre choix complet de la langue d'enseignement pour les parents des écoliers québécois. Et là, il monte aux barricades et même il fédère plusieurs groupes qui sont en faveur d'un Québec français ou d'un Québec plus français, ou au moins d'une protection contre l'envahissement de l'anglais dans l'éducation. Et puis, il se retrouve à fédérer et à animer tous ces gens-là. Et ça fait sourire aujourd'hui parce qu'avec son nœud papillon, tel que vous-même, et son air digne et ses 60 ans de professorat, eh bien, il partage les tribunes avec Michel Chartrand, qui ne porte rarement de nœud papillon. En 68, en tout cas. En 68, 69, etc. Puis dont le langage est ouais, moins structuré. Moins châtié un peu. Oui. Ouais. Avec Pauline Julien, avec Louise Forestier, avec Pierre Bourgault, avec toutes sortes de gens, généralement, qui se définiraient comme des gens de gauche, des gens de progrès, et qui souvent sont bien plus jeunes que lui. Bien, tous ces gens-là, là, les chevelus gauchistes et les cheveux courts traditionnels, grâce à Angers, vraiment, oui, il a été vraiment du combat pour les lois linguistiques. Et il y a eu une première loi linguistique qui avait un peu de l'allure, votée sous Robert Bourassa en 1974, la loi 22. Puis, c'est les efforts de Angers et de tout le mouvement Québec-Français qu'il a réussi à coaliser et animer. Les efforts d'Angers et de ses compagnons ont porté fruit avec la loi 101 que nous connaissons, 1977. Et là, lui, qui était rarement lyrique ou tendre dans ses écrits, a écrit en 1977 dans l'Action nationale que c'était le plus grand moment depuis la fondation de Québec en 1608. Oui, oui, parce que dans son discours, un de ses discours assez fameux de 1969, lors d'une grande manifestation en face de l'Assemblée nationale contre ce qu'il appelait lui-même le Bill 63, il va parler d'une seconde conquête. Donc, il avait le sens de la perspective historique très large, donc, avec la loi 101. Alors, juste une petite incise là-dessus. Donc, il est très enthousiaste par rapport à la Charte de la langue française, mais... Oui. Et là, on n'avait pas parlé de cette question, je vous la pose quand même, mais sa vision de la gouvernance du Parti québécois, comment il voyait ça en gros? Est-ce qu'il avait un préjugé plutôt favorable ou est-ce qu'il était étatiste encore là? Oui, ben voilà, il observe, avec un petit sourire un peu narquois, il est partagé entre le désir, puisque c'est un nationaliste, qui devient indépendantiste vers la fin des années 1960, objectivement, ses vues et celles du Parti québécois, dans l'ensemble, bien sûr, convergent. Alors, il y a une part d'Angers qui se dit « on doit tout se coaliser au nom de l'avenir de la nation, puis nos disputes, y compris nos disputes significatives, on doit les garder en privé, parce que nous devons faire front commun. » Puis en même temps, bien, il voit ce qui lui apparaît comme des errances ou des déviations. L'étatisme parfois accompagné de gauchisme au sein du Parti québécois, qui était une coalition lui-même, alors avec une aile vraiment militante, vraiment travailliste, syndicaliste, qui prenait son inspiration, par exemple, dans l'Internationale socialiste, et une aile plus régionale ou plus conservatrice socialement, plus bleue, les anciens vieux bleus. Bon. Il avait aussi peut-être pas une dent, mais du moins une réserve à l'égard de René Lévesque. René Lévesque était un converti tardif au nationalisme en tant que tel. Il avait davantage confiance en Camille Lorrain et en Jacques Parizeau, dont il se disait qu'il ne dévierait pas. Il croyait que René Lévesque se laissait porter par les vagues et manquait un peu de profondeur. C'est aussi une autre façon de dire que l'évêque était authentiquement à l'écoute de sa population
qu'il ne souhaitait pas la brusquer par idéologie, voyez-vous. Alors, on peut présenter la chose de deux façons. François Béranger, nous reste trois minutes déjà, a été présenté le titre d'une excellente thèse qui a été proposée par un jeune, Jean-Philippe Carlos, à l'Université de Sherbrooke. Il intitule sa thèse « Le rebelle traditionaliste ». C'est un peu un oxymore. Êtes-vous plutôt d'accord avec ce titre? C'est joliment dit. C'est joliment dit parce que le mot « rebelle » peut faire sourire, parce que M. Angers, comme on l'appelle même maintenant qu'il est décédé, avait l'air d'un homme de l'establishment universitaire, académique, par excellence. Rebelle, non vraiment, il n'avait pas le physique, ni même le ton, ni même le style littéraire de l'emploi. Mais en même temps, un rebelle, c'est aussi une personne qui tient mordicus, populaire ou non, à exprimer ce qu'il croit juste et vrai. Quand, par exemple, il a fait faux bond à tous ses amis nationalistes en étant contre l'étatisation de l'hydro en 1962, eh bien, ma foi, il était rebelle à sa façon. Traditionnaliste, bien sûr, il était parce que pour lui, les sociétés et une société fragile comme le Canada ou le français ou le Québec ne peut pas se payer le luxe de couper le fil de la tradition. En conclusion, à peine deux minutes, pourquoi, selon vous, François Béranger mérite-t-il de faire partie de ce groupe assez illustre des figures marquantes de notre histoire? D'abord, il y contribue chronologiquement. Il a vécu 94 ans. Sa contribution s'étale donc sur plusieurs décennies. Avec lui, on peut avoir un témoignage de l'évolution du Québec des années 1920 jusqu'au lendemain du second référendum pour la souveraineté. Ce n'est pas juste une étude de cas. Angers a vraiment contribué de la fin des années 20 jusqu'aux années 1990 à vraiment influencer sur le plan national la grande conversation nationale. Les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui, elles ont été posées et Angers y a répondu de façon diverse. Sur le plan économique, savant, scientifique, il fait vraiment partie de la seconde génération d'économistes québécois et il a défriché une terre qui était largement encore pleine de gros arbres difficiles à enlever. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.